Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est bientôt Noël et pour l'occasion on va faire un calendrier de l'Avent. Alors ce calendrier de l'Avent qu'on va faire, ce n'est pas pour nous humains mais pour nos petits monstres hein. En plus, si vous me suivez depuis un moment, vous savez très bien que pour Noël, j'aime bien réaliser des calendriers de l'Avent pour mes chiens. Donc je l'ai fait moi-même, j'achète toutes sortes de jouets, de friandises, etc. pour mes chiens. Et j'emballe tout ça, je mets les numéros et après on l'ouvre pendant le mois de décembre. Vous me demandez souvent comment je fais mon calendrier de l'Avent, donc cette année j'ai décidé de le préparer avec vous. Vous pouvez voir un gros carton qui se cache derrière nous, c'est tout les produits du calendrier de l'Avent. Cette année j'ai choisi tous les produits sur le site de Croquetland. Je les remercie beaucoup. Je pense qu'ils vont être gâtés. Elle commence déjà à bouder hein. Qu'est-ce que tu fais choupette? D'ailleurs Croquetland m'a aussi envoyé leur kit de Noël. Je vais vous le montrer. Au plus on va pas sur la table. Regardez ce que c'est. Ça se présente comme ceci, je l'ai déjà ouvert. Joyeux Noël. Et nous avons, attention, franchement ce kit il est vraiment super. Si vous ne savez pas quoi acheter à vos animaux pour Noël, je vous le conseille. Nous avons un petit jouet comme ça de Noël qui fait quick quick bien sûr. Nous avons une serviette. Nous avons aussi un super jouet. Il est trop trop beau, je crois que c'est mon préféré celui-là. Qui fait quick quick aussi, ouais, plein de quick quick. Ouais mon bébé. Ensuite nous avons un petit tuck comme ça tout rose. J'adore la couleur. Nous avons également, mais c'est la fête là, hein. Heureusement que c'est bientôt Noël hein. Un parfum, je l'ai testé, j'aime bien l'odeur. Et ensuite nous avons des friandises. Donc voilà, si jamais ce kit vous intéresse pour faire un cadeau à vos chiens, n'hésitez pas à aller sur le site de Croquetland. Et si jamais vous n'avez pas vraiment envie de vous embêter à faire un calendrier de l'Avent, il en existe déjà des tout prêts comme celui-ci. Pareil, il vient de Croquetland, on a hâte de l'ouvrir. Si jamais ça vous dit, je vous mettrai le lien du site Croquetland en barre d'infos. Voilà, maintenant on passe à notre calendrier de l'Avent. J'ai trop trop hâte. Bon, bien sûr, je vais pas tout vous montrer dans cette vidéo YouTube. Je garde un peu la surprise sur certains produits. Alors n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, c'est la pâte enchantée. J'ouvrirai tous les jours le cadeau avec mes chiens en vidéo, bien sûr. Alors pour faire ce calendrier de l'Avent, vous avez besoin de papier cadeau. J'ai pris aussi des petites étiquettes comme ça pour marquer le numéro du cadeau. Après ça je sais pas, je verrai. Et pour que ça soit un peu plus facile, j'ai déjà fait la liste des produits avec le numéro du jour. Donc j'ai juste à suivre cette liste. A savoir sur le site de Croquetland, j'ai pris un peu de tout. J'ai pris des friandises, des jouets, des accessoires. Bon voilà, on a remplacé Mélodie par un gros carton. Alors le premier produit. Avant de commencer, ne jugez pas mes emballages, je suis pas très douée, surtout que les jouets et les friandises d'ailleurs, ils ont une forme un peu particulière, c'est pas super facile, c'est pas du carré ou du rectangle, donc bon, on va faire comme on peut. Alors le premier c'est un jouet, il est tout au fond. Ouh là là. Et franchement j'ai craqué sur celui-là, c'est un renne, il est trop beau. J'adore, et bien sûr il fait pouic-pouic. Ouais. Vous voyez pas, mais là il y a une petite tête. Ah si, vous voyez un peu je crois, non? Je sais pas, mais là il y a une petite tête. Hein, je suis bête. Alors, on prend quoi? On commence par, oh, on va commencer par celui-là. Opus il se met derrière moi. Mais Loulou, qu'est-ce que tu fais? Bon bah il est parti Opus hein. Je pense que je vais faire comme ça un gros boudin. Et franchement c'est pas mal hein. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous aimez faire les emballages cadeaux. Moi franchement j'aime beaucoup. Après voilà, bon, c'est pas un super emballage hein, mais en tout cas j'aime bien le faire. Maintenant il faut qu'on marque le jour, sinon on va jamais s'en souvenir. Et voilà le premier. On continue, on emballe des friandises cette fois-ci. J'ai trop trop hâte de tester avec mes chiens. C'est un jus de réflexion. Franchement, j'en avais fait un, mais il était super facile.
et Melody Opus, ils ont réussi tout de suite. Là c'est un level 3, j'ai jamais testé et franchement j'ai trop hâte. Et ça va être plutôt facile à emballer d'ailleurs. Pas du tout coupé droit. J'ai pris aussi une brosse parce que il faut coiffer, faut être belle et beau, hein. J'ai déjà des brosses à la maison, mais c'est vrai qu'à chaque fois on les cherche partout. Emballer ceci, ça va être difficile, hein. Et voilà, franchement je me suis pas mal débrouillée pour ce papier cadeau. En plus cette matière elle glisse, donc c'était super difficile. Mais franchement pas trop mal, hein. Et j'ai pris aussi un petit coffret comme ça où il y a 3 sortes de friandises et un jouet. J'ai trop hâte de voir comment c'est dedans. On va l'emballer. Il y a des petites friandises aussi comme ça. Trop hâte de goûter. Jour 18, on a deux produits, un pour Melody et un pour Opus. Je vous laisserai regarder. C'est long. Allez, dernier jour. Et là, on a 4 produits à emballer. Donc c'est jour 24. Et y a 4 produits. Bien sûr, je ne vais pas emballer en vidéo, hein. Ça sera surprise. Je vous laisse aller regarder sur Instagram ou TikTok. Et voilà, on a enfin terminé d'emballer tous les cadeaux. Ça a été super long. Je vais les remettre tous dans le carton avant de les présenter correctement. Alors pour la présentation, on va pas faire comme l'année dernière. L'année dernière, j'avais mis tous les cadeaux dans un seau. Mais là, en plus, ça va même pas rentrer. J'ai tout prévu. Mon copain a récupéré un meuble où il travaille. Et ça sera parfait pour mettre les cadeaux. C'était un présentoir et donc il y avait des écritures et j'avais pas envie de les garder, donc on a repeint ça. Et là il fait déjà nuit, il est 18h, donc je crois qu'on va s'arrêter là aujourd'hui et je vous montrerai comment ça rend à la fin. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Nous on s'est bien amusé à emballer tous les cadeaux. J'ai trop hâte de vous faire découvrir ce calendrier de l'Avent et de donner les produits à Melody au plus. Qu'est-ce que tu fais toi? Si jamais vous cherchez des produits pour vos chiens et vos chats, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Croquetland. Pour rappel, il est dans la barre d'infos. N'oubliez pas de nous mettre un j'aime sur la vidéo et à commenter, ça nous fait toujours plaisir de lire tous vos commentaires. Et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, c'est la pâte enchantée. Et voilà, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.